Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait dans une maison au bord de la forêt. Elle était très jolie et tout le monde l'aimait beaucoup, surtout lorsqu'elle portait le chaperon rouge que sa grand-mère lui avait fait pour Noël. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Ta grand-mère est malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Je suis sûre que ça lui fera du bien. » La petite fille mit son joli chaperon rouge et sa maman lui dit encore « Sois bien sage en chemin et surtout, dépêche-toi de rentrer avant la tombée de la nuit. » Le petit chaperon rouge partit, son petit panier dans une main et un bouquet de fleurs des champs dans l'autre main. En passant près d'un fourré, elle entendit soudain une grosse voix rauque juste derrière elle. C'était la voix du loup qui avait bien envie de la manger. « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» lui demanda-t-il. « Je vais chez ma grand-mère, » répondit la petite fille, qui ne semblait pas avoir remarqué les longues dents pointues et les grandes oreilles du loup. « Habite-t-elle loin ?» demanda doucement le loup en approchant son museau du panier. « Plus très loin, » répondit le petit chaperon rouge. « Là-bas, à la sortie de la forêt, tout près du village. »« Eh bien, je vais aller la voir, moi aussi, » reprit le loup. « Je passerai par ce chemin-ci, et toi, tu passeras par ce chemin-là, et nous verrons bien qui sera le premier. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin le plus court, tandis que le petit chaperon rouge s'en allait par le chemin le plus long en pourchassant les papillons. Le loup ne mit pas longtemps pour arriver à la maison de la grand-mère. Il frappa. Toc, toc, toc. Et dit d'une toute petite voix, « C'est moi, le petit chaperon rouge. « Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» répondit la grand-mère. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il trouva la vieille dame couchée dans son lit. Il bondit sur elle et n'en fit qu'une bouchée, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Le grand méchant loup ferma ensuite les volets. Il prit une chemise et un bonnet de nuit dans l'armoire et se coucha dans le lit à la place de la grand-mère. Peu après, le petit chaperon rouge frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? Demanda le loup en imitant la voix de la grand-mère. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. « Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» reprit le loup. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En la voyant entrer, le loup tira la couverture bien haut pour se cacher le mieux possible. « Grand-mère, comme tu as de grands bras !» dit le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » Le petit chaperon rouge s'approcha du lit et vit une immense oreille qui dépassait du bonnet de nuit de sa grand-mère. Elle lui dit, « Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. « Pose ton panier par terre. » Le petit chaperon rouge vit alors briller les yeux jaunes du loup. « Oh,
Grand-mère, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. À la pensée de dévorer la petite fille, le loup se pourlécha les babines. Grand-mère, comme tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup bondit sur la petite fille. Il la dévora en une seule bouchée avec son chaperon rouge. Un chasseur qui passait par là entendit des bruits étranges dans la maison de la vieille dame. Il s'approcha et regarda par la fenêtre. Il vit le loup allongé sur le lit avec son ventre énorme qui ronflait, ronflait. Devinant ce qui était arrivé, le chasseur entra sans faire de bruit, prit une paire de ciseaux et ouvrit le ventre du loup. Il en sortit le petit chaperon rouge et sa grand-mère, saines et sauves, ravis d'avoir été délivrés. Le chasseur ainsi que la petite fille et sa grand-mère allèrent chercher les cailloux dans le jardin. Ils les placèrent dans le ventre du loup avant de le recoudre avec du fil et une aiguille. Quand le loup se réveilla, il était de fort méchante humeur et il grommela « Bon, j'ai fait d'horribles cauchemars. J'ai beaucoup trop mangé et maintenant je meurs de soif. » Il s'éloigna d'un pas lourd vers le bord de la rivière. Arrivé sur la berge, il se pencha pour boire. Mais, alourdi par tous les cailloux qu'il avait dans le ventre, il tomba la tête la première dans l'eau et coula à pic. Jamais on ne revit le grand méchant loup. La grand-mère du petit chaperon rouge mangea la galette tout entière et le petit pot de beurre. Elle se sentit aussitôt beaucoup mieux. Quant à sa petite fille, elle n'a plus jamais parlé aux inconnus qu'elle croise sur son chemin. Surtout lorsqu'ils ont de longues dents pointues